Salut, bonjour. Étant donné que l'humanité platine, les E.T. sont venus, ils nous ont dit, vous avez vu votre truc là, qui vous embête là, à gauche là, vous voyez ce truc à gauche là, hein? Vous avez vu ça là, ben, on en avait parlé dans une de mes vidéos, c'est un crop circle qui ressemble carrément au coronavirus, on dit, ben, c'est quand même, hein, c'est spécial de nous faire ça. Bon, ça a l'air de rien, mais il est quand même très... Il a des symétries, hein, si vous constatez. Hein. Les triangles, les gros ronds, les petits ronds, là, ça nous fait presque une merkaba quand on les interpénètre. Et il y a aussi cette triangulation-là. Enfin, toujours est-il qu'il y a des E.T. qui sont passés. Hein. Ils nous ont fait celui-là. Et puis, un peu après, ils nous ont fait celui-ci. Et celui-ci, sur la droite, là, c'est la représentation chimique d'une molécule d'isopropylpentane. Alors, il semblerait que ce soit un des hydrocarbones qui cure. Oh, ça, c'est de l'anglais. Qui nettoie. Et qui, non, il ne nettoie pas. Curer, ce n'est pas nettoyer en anglais, c'est soigner. Qui soigne toutes sortes de virus. Alors, c'est quand même excellent parce que, bon, ça va faire du bruit, à mon avis. Donc, c'est une vidéo qui vient du site Jeff Rantz. Qui a interviewé Frank Joseph, qui est assez épaté. Alors, la vidéo commence par quelques généralités, on va dire, pour nous, là, qui sommes habitués de la chose, quelques généralités sur les crop circles, sur leur indéniable manufaction, si on peut dire, manufaction par des moyens qui ne sont pas couramment connus du commun du peuple. Et parce que ça pourrait être à partir d'un TR3B, genre un travail au micro-ondes ou à autre chose, enfin on n'en sait trop rien. Hein. Bon, là, toujours est-il, pour en venir au clair, c'est donc un crop circle qui est apparu assez rapidement, semblerait-il, et qui nous propose une molécule qui soigne tous les virus. Isopropylpentane, hein, ISO. PROPYL, je pense, et plus loin, PENTANE. Alors, TANE, ça ne veut pas dire je suis haineux. Hein. Voilà où j'en étais. Ben voilà, c'est tout, quoi. C'est juste une petite vidéo. Alors, bon, on rappelle un truc. Hein. Les vaccins, c'est une escroquerie de la part de Pasteur qui a été soutenue par Big Pharma, peut-être bien parce qu'ils avaient un plan vis-à-vis de l'idée 2020. Hein, et ces histoires de puçage de la planète tout entière, hein, de toute population. Donc, c'est très bizarre hein, quand même, parce que Pasteur, 1900, et ce plan encore plus ancien, donc. Hein, hein, a priori. Mais j'avais cru voir ça. Mais bon, c'est trop confus pour être fiable. C'est du style le protocole des sages-leçons, quoi, en fait. Choses qui sont vérifiables et qui ont commencé il y a très longtemps. Et voilà, ben écoutez, donc isopropylpentane, hein, je dois l'avoir écrit quelque part, voilà, ici, voilà, comme ça. Hein. Isopropylpentane, ISO, tiré ou pas tiré, PROPYL, tiré ou pas tiré, PENTAEN. Alors, amis chimistes, à vos tubes à essai, à vos cornues et aux alambics, pas bic et bouc, hein. Aux alambics, et puis trouvez-nous un truc, quoi. Isopropylpentane, si les E.T. nous disent regardez, vous avez compris, hein, alors déjà. Je ne sais pas si l'hydroxychloroquine correspond à ce genre de formule chimique. Hein, alors là, en chimie, moi, je suis pas un as. Et avec tout ça, eh bien, écoutez, ça, il n'y a plus aucune raison de vacciner les gens. Hein, surtout que les vaccins, donc, ça n'existe pas. On rappelle ça, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas d'introduire des molécules étrangères dans un corps qui est déjà en surtoxination, sur intoxication, on va dire. Hein, raison pour laquelle il est malade, en général. Bon, on n'oublie pas non plus que la deuxième vague correspond aussi avec la libération, si ça se dit comme ça, de la 5G.
Et que déjà aujourd'hui en Suède, il y a des toubibs qui râlent parce que la 5G provoque les mêmes symptômes de manque d'oxygène. Hein, donc, étourdissement, souffle court, évanouissement, enfin une totale, et peut-être même tout. Hein, ça, je ne suis pas sûr, mais on est peut-être irrité, effectivement. Donc, les gens, ils viennent avec des symptômes de 5G, on leur dit « Covid !» Et hop, et n'importe quoi, quoi. Hein, comme d'habitude, n'importe quoi. Bon, on se réveille, les amis, je ne vais pas plus loin, c'était juste parce que ça fait quelques jours que je n'ai rien foutu, et que ça, c'est quand même une urgence. Bon courage, à bientôt, au lecker. Vous ne laissez pas avoir. C'est une escroquerie, tout le monde le sait. On n'oublie pas, hein. 100 virus, ils passent entre deux mailles du masque. 100 virus, à peu près, vu les tailles. En se donnant la main, les virus, comme ça. Ils font la ronde, hein. À une centaine, ils passeraient entre les mailles. On arrête de se foutre de nous quand vous voulez. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. On sera là. Ciao.